Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va voir les trois exercices les plus puissants pour lutter contre le stress. Voilà, je vais tout te dire dans cette vidéo. Alors surtout, reste bien. D'abord, je me présente, je m'appelle Olivier Combes avec un S et j'accompagne les personnes, les professionnels, les thérapeutes dans, et les entrepreneurs dans justement cette liberté émotionnelle, ce mieux-être, se débarrasser et plus être dans la gestion, mais vraiment dans la libération et que ce soit simple, facile de vivre au quotidien avec tes émotions et avec ton stress. Eh bien, tout d'abord, je vais dire un truc peut-être qui va te choquer, mais le stress, c'est normal. Le stress, c'est la vie. Voilà. En fait, on est des êtres qui vivons le stress et c'est normal d'avoir du stress. Alors, c'est vrai que dans nos vies, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, on est surstimulé et du coup, ça engendre effectivement beaucoup de stress. Mais ce stress, il est normal. C'est juste notre capacité à s'adapter à quelque chose de nouveau dans notre environnement. D'accord? Il y a des choses nouvelles dans notre environnement, il y en a tout le temps. Par contre, ça t'épuise. Ça, peut-être que tu n'en peux plus, tu en as marre de cette hypersensibilité, de cette impression d'être à fleur de peau, tu te sens incompris, tu te sens débordé par ce stress, ces angoisses, ces crises d'angoisse, voilà. Eh bien, sache que tout ça peut changer rapidement et définitivement. Tu vas voir comment. Déjà, je te donne rendez-vous sur mon site, d'accord, Sophronerty, et puis sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, on va voir les trois exercices qui vont te permettre déjà de changer tout ça, ton stress et diminuer. Parce que le stress, c'est juste des pics comme ça. Il ne faut pas le laisser monter, il faut redescendre. Et pour redescendre la pression, il y a plusieurs moyens. Voici les trois exercices. Et d'abord, on fait le premier exercice. Le premier exercice, c'est ta position. Voilà. Comment tu te tiens? Bien droit, les épaules en arrière. Et voilà. Et tu lèves le visage et tu souris. Tu écartes. Tu peux écarter les bras comme ça. Tu souris. Et là, tu ne peux plus être en stress et tout ça. Tu diminues. Il faut savoir que les positions, il y a des études qui ont été montrées. Elle diminue de 30% le cortisol, qui est l'hormone du stress, et elle augmente de 20% les hormones du bien-être. Voilà. Donc, c'est physiologique parce que ton corps agit sur ton mental et ton mental agit sur ton corps. Donc, déjà la posture. Tu vois bien quand tu n'es pas bien, tu es triste, tu es comme ça. Voilà, tu es fatigué, tu es machin. Ben oui, mais plus tu t'enfermes, plus tu te regroupes, plus tu te recroquevilles et plus c'est difficile de sortir de cet état. Pour sortir, eh bien, tu ouvres en grand, les épaules en arrière, tu tiens bien droit, la tête haute. Pas obligé de marcher comme ça, mais la tête haute, on dit, regardez le deuxième étage, quand tu marches, tu regardes le deuxième étage, voilà, des immeubles, voilà, à ce niveau-là. Voilà, ça c'est ma première astuce et tu vas voir, dis-moi, si ça a changé ta vie. Alors, le deuxième exercice, eh bien, il va avec, c'est la respiration, tu as bien vu. Tu fais ça, tu respires plus. Voilà, faire rentrer de l'air, inspirer et expirer profondément. Prendre un temps de respiration, quelques respirations, tu vas voir, ça diminue ton stress, ça va diminuer tes angoisses si tu le fais régulièrement. Alors, cet exercice de respiration, bien sûr, on t'en a donné peut-être beaucoup, mais là, on va faire ce qu'on appelle une respiration en équilibre, pour être en équilibre et en harmonie, pour diminuer ce stress. Ça va être une inspiration et une expiration de valeur égale. Alors l'idéal, c'est 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Voilà. Donc, on va faire ça tranquillement. Toujours dans cette position, digne, droite, ouverte. Tu vas faire ça. Inspirer. 1, 2, 3, 4, 5. Expirer. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirer. 1, 2, 3. 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, tu vas faire ça. Alors, bien sûr que si tu le fais 30 secondes, 1 minute, c'est OK. Si tu le fais 3 minutes, 5 minutes, c'est super. Maintenant, tu fais 3 fois 5 minutes dans ta journée, c'est génial. Et tu vas voir, je te garantis que ça va changer ta vie, ça va transformer ta vie. Voilà. Alors, il reste un troisième exercice. Le troisième exercice, tu vas voir, c'est quelque chose de millénaire, d'ancestral, voilà, quelque chose qui existe depuis très longtemps et que personne ou très peu de personnes pratiquent régulièrement et quotidiennement. C'est la méditation. Oui,
La méditation, et je te rassure tout de suite, tu sais méditer, oui, toi tu sais méditer, tout le monde sait méditer, et tu l'as déjà fait. Et puis je vais te montrer que c'est tout à fait simple, facile. Qu'est-ce que c'est que la méditation? Pour moi, c'est juste un entraînement. Un entraînement à être dans l'instant présent, dans ce qui se passe ici et maintenant. Et pas à chercher à se calmer, à plus avoir de pensées ou à faire le vide. Non, si tu es dans l'envie de faire le vide, tu n'es pas en méditation. Tu es juste, ok, je m'assois, alors tu peux fermer les yeux pour justement t'isoler et couper ces stimulations visuelles. Et puis tu vas juste écouter et te concentrer sur ta respiration. C'est là l'importance, tu as pris l'habitude de respirer, d'inspirer, de respirer, de voir un petit peu ce qui se passe dans ton corps, de suivre, de compter tes respirations. Et puis de voir juste ce qui se passe, même tes pensées. Oui, tu vas penser. Eh oui, notre cerveau, il est fait pour ça. Donc tu vas penser et c'est super, tant mieux. Ce qu'il faut, c'est juste ramener, une fois que tu as pensé, ne pas s'accrocher à cette pensée. Comme dans un paysage, dans un ciel bleu, un nuage qui passe. Tu vas observer ce nuage qui passe et puis il va disparaître parce que tu vas revenir à ta respiration. Laisser tes pensées, il faut que je fasse les courses. Ah oui, il faut que je fasse ça à mon boulot. Ok, il faut que je fasse ça à mon boulot. Qu'est-ce que je... Ah, je reviens sur ma respiration. Ok, hop, cette pensée elle est partie. Et je suis sur ma respiration. Ah mais oui, mais là, il faut que j'aille chercher au pressing le truc. Ok, très bien. Tu laisses vivre. Ok, je pense ça, c'est pas grave. Ok, il n'y a ni bien ni mal. On médite ni bien ni mal. C'est juste un entraînement, comme un sportif. Comme quand tu fais du sport, eh bien, il faut juste s'entraîner. La méditation, c'est ça. Tu commences petit, 2, 3, 4, 5 minutes. Et puis tu augmenteras en fonction de tes besoins, en fonction de tes envies et de ce que ça a changé dans ta vie. Voilà. Voilà les trois exercices qui vont te permettre de lutter contre le stress. Et puis, si cela ne suffit pas, eh bien, je te donne rendez-vous pour justement voir un petit peu ce que je fais et aller plus loin. Au-delà de ce que j'appelle la gestion et la gestion de ton stress, de tes émotions, ben, d'aller à la libération. Oui, comment faire pour se libérer? C'est ce que je te dirai dans d'autres vidéos. Si tu viens voir sur mon site, Sophronerty, sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube, tu trouveras toutes les informations et je donne des conférences en ligne régulièrement dans lesquelles tu peux t'inscrire. Tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter pour avoir toutes les informations. Voilà, je te remercie, je te dis bonne respiration, bon changement, bonne gestion de ton stress et tu vas devenir zen, suffit juste de le décider. Voilà, à toi de jouer. Merci, au revoir, à bientôt.